sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dégustation avec mon chum! Désolée. J'étais trop contente de manger. Aujourd'hui, je voulais aller tester les nouveautés dans les restos d'automne. Sauf que, comme vous le savez, il y a une certaine vidéo sur mon YouTube où j'ai osé croquer dans une pâtisserie qui n'était pas végane. Et je me suis fait tabasser sur la place publique. Donc, c'est pour ça que j'ai invité mon petit chum qui va pouvoir goûter aux autres trucs qui vous intriguent sans que je me fasse cancel. Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai droit. OK, donc là, on se dirige vers la voiture. J'ai demandé sur mon Instagram de me dire vos endroits préférés où il y avait des spécialités d'automne et on s'en va tester ça. Let's go, j'ai faim. J'ai pas encore soupé. OK, fait que ça, c'est nos outfits, mais là, on s'en va dans l'auto. Fait que dans le fond, on s'en calisse. Mais moi, j'adore les services au volant parce que je suis allée avec mes crocs. J'ai pas besoin de sortir. C'est bon ici. Ouais, mais là, on va voir ça. Oh, damn! Je vais te chercher mes lunettes. Quoi? De vitesse pour mieux voir. Okay. Non. Sir! Ok, le premier spot que vous nous avez envoyé, c'est le Dairy Queen. Ça, honnêtement, ça me manque. Je me rappelle que c'était délicieux. Mais toi, tu vas avoir la chance d'y goûter. Jamais. Mais non, mais c'est bon! Je vais jamais là. C'est un petit délice. Il y avait deux saveurs. C'est quoi la première saveur? Okay. Ça, je crois que c'est tarte à la citrouille. Oh! Ouais, mais là, il y a vraiment chunks, fondu, là. OK. C'est des morceaux de quoi? On dirait de la pâte à biscuits. Ben, c'est peut-être de la pâte à... L'autre, c'est pâte à biscuits à la cannelle. Fait que ça part. Honnêtement, les deux sentent vraiment très bon. Tu pourras pas savoir ce qu'il goûte, hein? OK, donc je me lance. Lui, j'ai un peu déjà goûté parce qu'il coulait puis je l'avais partout dans les mains. Puis... Tricheur de mort. Ouais. Avec un petit chunk. Ça vale tellement fort. On dirait un... Oh! C'est bon. Ça goûte vraiment le... Genre le pudding au riz. Oui, mais c'est bizarre pour quelque chose d'automne. Ben, tu sais, il y a de la cannelle dedans. Dans un pudding au riz, il y a de la cannelle. Ah, je savais pas. En tout cas, ça goûte ça. Ça goûte la cannelle. Mais c'est bon. Tu donnes combien sur 10? Tant. Oui, mais là, il faut qu'il mange au complet pour comme donner ses commentaires. Yo, 8.5. OK. Ouais. Non, c'est vraiment bon. Genre, je le reprendrai, là, facile. OK. J'ai déjà hâte à l'automne prochain. Non, là, non, plus de bouche. OK, là, celui à la citrouille. Ça, c'est citrouille, tu me dis. OK. J'ai les mains toutes collantes, ça a tellement coulé partout. OK, donc, rectification. L'autre, c'est à la citrouille, ça, c'est à la cannelle. What? Ça, c'est à la cannelle. Ça, c'est un 9. Oh. C'est encore meilleur que l'autre. J'aime tellement la cannelle, là. Sauf direct, en tout cas, du coup. Oh, tu m'étonnes! Mais non, non, ça, c'est vraiment excellent. T'adores? Par contre, bon. On a une autre crème glacée à goûter qui, je crois, est à la cannelle au chocolat favori. Faite à la fin de notre vidéo, celle de la dernière affaire qu'on va goûter. On va voir. Est-ce que ça bat le Dairy Queen? Restez à la fin pour savoir... Lui est en train de tout le manger au complet, il va falloir que je l'arrête. OK, là on s'en va au Tim Hortons. En deuxième, là j'ai hâte parce que je sais qu'il y a beaucoup de cafés qui m'attendent. Est-ce qu'il est 5 heures le soir? Oui. Je vais quand même dormir comme un bébé. Oh my god, on arrive au Tim. Puis là j'avais pas pensé que si mon chum conduit, c'est lui qui doit commander les trucs, mais c'est littéralement le pire. Non! J'avais dit s'arrêter avant, là, on sait pas qu'est-ce qu'on veut. Oh non, non, non. Bye! Il est déjà stressé. Il vient de le demander. Ok, non! Je vais checker là. Antoine! Yes! C'est quoi les nouveautés de l'automne? Mettons en café puis muffin. Ça va être tout. Merci. Ok, we got the goods. J'ai le café ici. Et toi, le beigne, le muffin du rayon. Le beigne. Mais non. Fait que tu goûtes à ça. Ouais, toi, tu goûtes à ça. Parce que dans le fond, Antoine n'aime pas le café, puis moi, le muffin. Ben, tu peux-tu le manger? C'est bon, il a l'air vraiment dur. C'est bon. Cheers! Bon, cheers! Ouh! Moi, c'est bon! Toi, bon. Je pense qu'il y a un truc au milieu. Sur l'image, il y avait comme un fondant au milieu.
J'ai pris celui-là parce que le cappuccino glacé du Tim. Hey, sérieux, ça gosse ça. J'ai pris celui-là parce que le cappuccino glacé, je sais qu'il est délicieux. Ok, il donne la diarrhée, mais il est délicieux. C'est genre, dès qu'il arrive au Tim, j'en cours. Fait que je l'ai déjà essayé mille fois. Je vais pas vous faire semblant d'être comme. Mmh, wow, trop bon. Celui-là, par contre, il est beaucoup moins sucré. Ok, par contre, moi, j'aime vraiment la sucreté de l'autre. Sauf que celui-là, mettons, ça tend à être un petit peu moins speedé le matin. Celui-là, c'est une bonne option. Je l'aime beaucoup. Pour ma part, le muffin, il est bon. C'est pas un. Ben non, mais je suis pas. Tu te crispes pas à terre. Ouais, c'est ça, mais c'est un muffin. Muffin aux avoines, si peux-tu. Comme les galettes aux avoines. Là. Ok, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Un muffin un peu comme galette d'avoine, mais en muffin. Je pense qu'il est fourré au milieu. Ben oui! Ah ouais, oh oui! Monte ça à la caméra! Tiens, regarde ça au ben milieu. Oui! Ben la oui! La sauce du chef! Ben oui, on va te goûter ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ok, ok. Ça l'ajoute? Oui, oui, ça l'ajoute. Ça l'ajoute des points. Je retiens ce que j'ai dit. Il est plus que la normale. Ok. Je comprends. Je vais donner un. Un 7. Oh! Un 7. C'est pas super. Ben c'est bon. Tu sais, c'est comme. Un 6, t'es content. Okay. T'as ce que tu veux. Un 7, c'est comme. Oh! Il est fourré au milieu. Ok, je comprends. De la petite crème du chef, tu sais. Moi, moi, j'irais pour un. Un 8, mais l'autre, il bat. Le cappuccino glacé, tu sais, qui est comme un genre de slush de café. Hey! Ça vient chercher plus de points. Par contre, il est bon. J'étais un tantinet déçu, mais pas tant que ça. On va s'en remettre. La prochaine place qu'on va faire, par contre, là, c'est la place à drinks. On s'en va au Starbucks. Starbucks. Let's go. Let's roll, baby. Guys, by the way, ce temps-ci, je suis comme vraiment dans le jus avec d'autres tournages. Fait que c'est Antoine qui monte mes vidéos depuis quelques vidéos. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du changement? Est-ce que vous aimez ça? Il y a comme foulu des... Dites-lui, s'il vous plaît. Ça lui ferait trop plaisir. Mais ouais. J'ai reçu plein de beaux commentaires sur ses skills, fait que si vous voulez remonter son ego encore plus, vous pouvez commenter. Mais Antoine, c'est là le micro. Ouais. J'ai jamais ici. Hey, deux en deux, je t'ai chié là. Ça va être un j'ai pas mis de lunettes. Bon. L'espresso, j'ai trouvé croustade des. Oui! Merci. Ok, là je porte des doubles lunettes. On est tellement mal organisé, genre. On est vraiment le chaos. On est les pires clients au service au volant SOS. Ok, parenthèse, mais ça c'est la déco. La station service à côté de chez nous. J'ai jamais compris, genre, c'est quoi. Bref. Ok, donc là t'as le muffin. Tu vas pouvoir comparer les deux. Et moi j'ai le café. Donc c'est un espresso glacé secoué à la croustade aux pommes avec du lait d'avoine. Oh my god, il est donc bien petit! Hey, il est. Ben petit. Il est moyen, là. Ça... Mais on dirait que sur l'image, c'était un. Ouais. Puis on dirait qu'il y a comme. Je sais pas, il y a comme un trou dedans. Ouais. C'est censé être le fromage à la crème, je pense. Cheers! Ok, cheers! C'est vraiment moi, je mange et toi, tu bois. Hein. Ouais. Du café. C'est correct, j'aime ça manger. T'as Puis! Non, ouais, le fromage à la crème. C'est mono? Moyen so-so. Mais le. Non, c'est pas ça. Je crois que le muffin en tant que tel est meilleur que lui au Tim. Mais je préférais vraiment le fourré du Tim que le fromage à la crème de lui. Ok. Tellement que lui va se prendre un 6,5. Non! Lord, ok. Il retourne dans le bag. Moi, honnêtement, j'ai comme l'impression que la saveur est au fond, j'arrive pas à l'avoir sur le top. Mais moi, les espressos glacés, secoués avec du lait d'avoine, c'est mon drink préféré. Tu sais, c'est sûr que ça stoppe dans les 9 et plus. Tu sais, comme il y a une petite touche d'automne, mais je sens que la grosse touche est au fond. Tu sais, ouais, c'est délicieux. Les drinks Starbucks d'automne, j'adore. Par contre, le pumpkin spice froid, il est pas super. Chaud, il est meilleur. Mais froid, ne l'essayez pas à la maison. Prenez croustade aux pommes. It's better. Il manque quoi là? On s'en va au McDo. McDonald's.
Let's go, baby! Et c'est aussi le chausson aux pommes. Je sais que ça, c'est comme là à l'année longue, mais j'ai jamais osé goûter. Ah ouais, t'as jamais goûté au chausson aux pommes? Non. Toi, oui? Ben oui. Il est bon, parce que je le teste. Non, merci. Est-ce que vous avez le latte d'automne? Ça va être tout. Merci. Ok, ça, je savais pas parce que je voulais jamais me prendre de café au McDo, mais ils ont pas de lait végétal. Je suis choquée complètement. Oh oh, ils ont oublié notre latte d'automne et Antoine doit retourner. Bon, bref, ça m'étonne vraiment qu'il n'y ait pas de lait végétal au McDo. Il y a tellement peu d'options, genre j'ai comme... Je comprends pas, il me semble qu'ils perdent de l'argent à pas faire d'options végé vegan. Fait que les seules choses qui sont végé vegan par contre sont bonnes en tabarnak, ce sont les frites et le chausson que je m'apprête à goûter. Donc ça, j'ai hâte. The Loot! Yes! Même si j'aime pas le café, on va goûter ça. Vas-y. Ça sent les épices d'automne et le café. Wow! Ouais, je suis quand même surpris, je m'attendais pas à... Mais ça paraît qu'elle était à l'école. Il y a juste le café, là. Rien de... Non. Rien? Non. J'ai même pas une petite touche. J'ai goût de le pitcher par la fenêtre. J'ai attendu 5 minutes dans... 5! Non, mais c'est ça. À la base, je suis pas un fan de café, comme on disait tantôt, fait que... Je pense qu'il y a même pas de crème. Ok, mais ça sent même pas les épices. Non, mais je trouve qu'il sent un peu. Ils se sont peut-être trompés. Non, non, non. Tu sais, je sens qu'ils ont essayé, mais ils ont pas réussi. Par contre, on a le chausson. On a deux. Je suis surpris que tu aies goûté à ça, genre dans ta vie. On dirait que j'ai jamais vu personne commander ça. En fait, j'ai vu une fois une madame commander ça, puis je venais juste de dire: non, mais sérieux, qui commande ça? Genre, faut vraiment être cave, venir au McDo juste pour commander ça. La madame m'a juste commandé ça. Je sens donc partout. Ok, c'est sûr qu'il est un peu brûlé. Je vais manger l'autre côté. C'est pas mauvais, mais c'est sablonneux. Mais moi, tu sais que c'est ça que j'aime. Je trouve que ça goûte ce que ça sent au Home Sense. Moi, pour moi, ça c'est un 6. Je m'attendais à plus. Moi, tout ce que je me rappelle des chaussons, c'est qu'il était tout le temps fucking trop chaud. Puis tu brûlais tout le temps. Ok, des beaux souvenirs d'enfance. Ouais. Mais, ouais, 6. Ouais, hein. C'est comme ça passe. C'est un chausson pomme, là. Y'a-tu des frites d'automne là-dedans? Oui! Bon là, on va aller souper. Puis on va les retrouver quand on va aller goûter au Chocofave. On est bien excités parce qu'ils ont sorti un nouveau sorbet d'automne vegan! Donc, on se revoit là-bas. Bye! Ok! Là, on est rendu pas après le souper parce que finalement, les deux, on a pas eu un mal de cœur. On a pas réussi à manger. Mais là, on s'en va manger la crème en glace. Pour vous. Fait que si vous avez pas encore liké la vidéo, faites-le maintenant! Parce que moi, j'ai mal au ventre, là. Ok? Ouais. C'est vraiment fucking dur pour nous. On est des influenceurs, puis on mange juste la crème glacée toute la journée. Fait que. Chris, à un moment donné, là. On peut-tu être bien payé, puis bien liké, Candice? Ok, on est arrivé au Chocofab. J'ai un peu un malaise d'entrer et de vlogger, donc on vous revient quand on a la crème glacée en main. Ok, on revient du Chocofab. Malheureusement, il n'y avait plus le sorbet. Honnêtement, à chaque place qu'on a été aujourd'hui, il manquait comme un élément sur deux qu'on voulait. Mais là, au moins, Antoine a pris l'enrobage à la tarte aux pommes. Ouais, tarte aux pommes. Ok. À la base, je suis pas... Pas que je suis pas un fan, mais je suis pas... Habituellement, je vais pas au Chocofab. Ok. Donc, ça va être... s'il est bon, il est bon. S'il est pas bon, il est pas bon. S'il est pas bon, je le sac dehors de la fenêtre. On sait jamais, hein, c'est quoi sa note. Il faut comme 4 bouchées, puis il parle pas, puis je suis juste là à le regarder, genre. C'est comment? Ah, par contre, ça sent bon. Mais... Ah! Oh. Ah? Oh. Ma première bouchée, tout le long, j'ai l'impression que c'est juste chocolat ou lait, l'enrobage. Mais à la fin, il y a une petite twist. À la fin, quand j'ai tout avalé, j'ai rincé ma bouche avec ma langue. OK. J'ai trouvé un petit goût de pomme. T'as-tu aimé ou t'as pas aimé? Oh, c'est bon. T'aimais ça, ça rajoute ouais. Dessus un... Ça dégouline, par exemple. Mais non, il est bon. Mais c'est pas comme surprenant. On dirait, je m'attendais à plus de... Plus de pommes. Ouais, plus de pommes. Tu sais, il est bon. Je donnerais une bonne note,
mais selon le titre, je vais être obligé de le descendre un peu, je vais le mettre à 7. Je pense qu'en termes de goût, c'est 8. Tu sais, c'est très bon, mais il n'y a pas le goût de tarte aux pommes. Ils ont un peu, ouais, ok, je comprends. Parce que là, on rentre, c'est comme nouvelle saveur. Ouais, c'est supposé partout. Être nouveauté seulement pendant l'automne. T'sais, d'après moi, il est à l'année longue. Là. Ok, je comprends. Moi, je suis vraiment déçue pour le sorbet. Je vais le tester plus tard. Je vais vous en parler si je l'essaie. Je suis un peu triste, mais en même temps, j'ai tellement mal au cœur. Genre, j'ai pas assez mangé dans ma journée pour avoir mangé autant de sucre et de café d'une chute. Je suis comme... Fait que là, on va aller souper pour de vrai. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi si vous voulez revoir mon petit con ici. Et ben c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!